On va maintenant donc laisser la parole à Pauline Denisot, qui, donc je le rappelle, a un quart d'heure. Vous aurez ensuite 15 minutes, vous aussi, pour poser des petites questions rapides. Et puis, sachant que vous pourrez tout à fait échanger plus longuement avec les intervenants, si vous le souhaitez, ce soir, après le spectacle, au cours du repas, par exemple. Alors, bonjour à tout le monde. Enfin, rebonjour, on s'est déjà vu ce matin. Je remercie Omar d'avoir organisé cette journée, cette troisième édition. J'ai participé aux trois maintenant, donc voilà. Je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Alors, j'ai répondu à la consigne vraiment strictement de ce que m'avait dit Omar. Voilà, de parler de la scène vraiment très très actuelle. Bon, c'est vrai, comme l'a rappelé Marjorie, moi je travaille sur le théâtre égyptien contemporain. Donc évidemment, 2011, la révolution a joué un rôle très important, a été au centre de mes recherches. Mais c'est vrai que c'était déjà il y a maintenant 10 ans. Donc même si c'est très important d'en parler, j'essaie de profiter de ce moment de parole aujourd'hui qui m'était donné pour essayer de faire un petit point sur l'état du théâtre égyptien aujourd'hui. Vraiment là, à l'automne 2021, où est-ce qu'on en est ? Je vais en particulier m'attacher à la scène indépendante égyptienne, c'est-à-dire celle qui existe en Égypte en marge d'une part du théâtre public subventionné par l'État et d'autre part du théâtre privé commercial. Voilà, même si évidemment les limites sont toujours assez floues entre privé, indépendant, amateur, indépendant, etc. Évidemment, faire le point aujourd'hui, ce n'est pas anodin et ça nécessite de prendre en considération le fait que l'Égypte, comme ici, comme partout, sort d'une période de crise sanitaire qui a profondément affecté tous les secteurs de l'économie, et voilà, mais le spectacle vivant également. Je ne pourrais pas parler de tout le théâtre indépendant non plus. J'ai donc décidé de focaliser mon étude sur deux compagnies. J'ai eu l'occasion de retourner en Égypte donc après cette crise sanitaire deux fois en mai dernier et puis là j'y étais il y a 10 jours. Et donc à partir de ces quelques recherches de terrain que j'ai pu faire pour reprendre contact en fait avec le pays après tous ces mois où on était tous et toutes isolés, j'ai décidé de me focaliser sur donc deux compagnies indépendantes, la compagnie El Warsha et la compagnie El Marbad, donc le temple. Et je propose d'étudier les conséquences qu'a eu la crise sanitaire sur le fonctionnement de ces deux compagnies et les stratégies mises en place pour les artistes de ces compagnies pour entrer en résilience ou en tout cas poursuivre leur activité. Bon, pourtant, si le contexte particulier de la crise sanitaire a bien évidemment joué un rôle, je fais ici l'hypothèse que la crise sanitaire n'a fait en fait que révéler ou exacerber des problèmes existants, liés d'une part au rapport des artistes indépendants à l'État égyptien et d'autre part à la dépendance, dont on aura l'occasion de reparler, je pense, parce que ce n'est pas le cas qu'en Égypte, de ces artistes à l'égard d'instances de financement étrangères et particulièrement européennes. Donc, pour commencer, je vous présente rapidement les deux compagnies, même si vous les connaissez peut-être parce qu'elles sont assez connues hein, dans le monde arabe et arabophone. C'est aussi pour vous montrer que je parle d'une scène indépendante, mais d'une scène indépendante qui est plutôt bien installée et bien reconnue. Je ne parle pas d'artistes qui vivotent, même si ces artistes-là se battent pour continuer à exister, c'est malgré tout des compagnies qui sont bien installées. Hein. La compagnie El Warsha, elle a été fondée en 1987 par Hassan El Geretli, qui est donc ici. Hassan El Geretli la présente à l'époque comme la première compagnie indépendante, donc en marge de l'État et en marge du théâtre privé. Hassan El Geretli, il était plutôt proche pour sa part et de par son statut social et familial des élites politiques et intellectuelles du pays, mais il avait à l'époque délibérément choisi de créer hors des structures de l'État et avait ainsi ouvert une nouvelle voie pour les artistes égyptiens. Et c'est grâce à cette initiative que le mouvement de ce qui s'est d'abord appelé le théâtre libre, El Masrah El Hur, puis le théâtre indépendant, Moustaqil, s'est affirmé en Égypte et puis à l'échelle du Mashrek, hein, dans la foulée. Son travail s'attache à réexplorer le patrimoine culturel, théâtral, littéraire et musical vernaculaire égyptien. Il travaille notamment le conte, la chanson de geste et le cabaret. Pendant 30 ans, ces 30 dernières années, il n'a cessé de former des acteurs et des actrices, et aussi des chanteurs et des chanteuses, et Geretli est ainsi devenu un acteur incontournable de la scène théâtrale égyptienne.
La compagnie n'en reste pas moins logée, installée dans un très modeste studio dont vous voyez la porte avec une très mauvaise photo prise par moi-même à droite de la diapositive, mais donc au dernier étage d'un immeuble du centre-ville du Caire, hein, dans un appartement standard, où ont été aménagés des bureaux et puis une toute petite salle de travail et de représentation, mais il y a une quarantaine de places, hein, pas plus. Et c'est très chichement équipé. La compagnie a conservé ce cadre de travail modeste, mais néanmoins, elle est assez connue à l'échelle de tout le Proche-Orient. Hassan est d'ailleurs très fier qu'on enseigne son travail à l'Institut supérieur des arts dramatiques de Damas, voilà. Mais il travaille beaucoup avec la Jordanie. Et il est aussi assez connu en Europe et en France. Hein. Il a participé au Festival d'Avignon Inn en 2014 et puis il fait des tournées régulières depuis. Donc vous voyez quelqu'un d'assez bien installé. La compagnie, le Temple, Al-Marbad, elle est née dans la vague de ce mouvement indépendant au début des années 90, en 93 très exactement, et elle a été fondée par Ahmed Al-Attar, qui est un Égyptien issu de la classe moyenne supérieure qui a fait des études en Égypte et en France. En 2007, Attar a fondé le studio Ahmed Eddin, dont vous avez une image ici. Donc c'est un espace de bureaux et de répétitions logés dans un immeuble assez spacieux aussi du centre-ville du Caire. Et il a travaillé un modèle économique où il utilise ses studios pour travailler avec ses propres spectacles, mais il loue aussi ses espaces de travail afin de créer une économie, essayer de s'autosuffire, hein, même si ça ne suffit pas. En 2007, il a fondé Orion Productions, donc une société de production qui chapeaute ses différentes activités de théâtre et d'entrepreneuriat culturel. Donc vous voyez, il a de la suite dans les idées. Et en 2012, il a créé le festival DICAF, donc le Downtown Contemporary Art Festival, qui est un festival international et pluridisciplinaire au Caire, qui laisse une large part au théâtre. Il est partenaire de très nombreuses structures en Europe. Il est souvent programmé en France depuis 2014. Hein, il est très ami avec le théâtre de Gennevilliers et aussi avec la MC93. Et en 2019, il a repris la direction du théâtre Rawavet, donc un tout petit théâtre construit dans un ancien garage automobile dans le centre-ville du Caire, qui est une petite salle avec une jauge de 150 places. Voilà. Grâce à un partenariat qu'il a établi avec une société immobilière qui s'appelle El Shirqa El Ismailia, qui rénove et qui rachète aussi les immeubles du centre-ville du Caire. Tout ça pour vous dire que ce sont là des compagnies, voilà, très bien installées, qui ont aussi des modèles économiques qui fonctionnent, hein, qui leur permettent de fonctionner à peu près de manière autonome. On est là plutôt face à des compagnies indépendantes, mais qui ont réussi. Hein. Ce sont donc des cas privilégiés. Malgré tout, ces compagnies-là ont dû faire face à une situation très compliquée qui a été celle de la crise sanitaire et doivent faire face de manière plus générale à toute une série de contraintes qui existent en Égypte. Alors, lorsque j'ai pu retourner en Égypte pour la première fois en mai dernier, le pays traversait sa quatrième vague d'épidémie. Les lieux publics qui avaient été complètement fermés venaient de rouvrir, mais seulement jusqu'à 21h. Hein. Maintenant, ils peuvent ouvrir jusqu'à 23h, minuit, donc ça pose plus de problème vraiment pour le théâtre. En mai dernier, c'était possible d'aller au théâtre, mais jusqu'à 21h pile. Et d'ailleurs, en allant assister à un spectacle à Rawabet, j'ai pu constater la fébrilité des équipes du théâtre à 21h, où il fallait vraiment que tout le monde soit sorti et qu'il n'y ait plus personne devant le théâtre, parce qu'évidemment, toutes les excuses sont bonnes. Il y a des patrouilles de police dans la rue pour mettre des amendes, amendes qui sont parfois tellement élevées qu'elles pourraient faire risquer à l'artiste la fermeture du théâtre. C'est une stratégie assez connue, j'y reviendrai dans un instant. Les problèmes rencontrés par Ahmed Al-Attar et la compagnie Le Temple à cause de la crise du Covid sont étroitement liés à ce lieu qui est le théâtre Rawabet. Lorsque Attar en prend la direction en novembre 2009, il décide de rénover complètement le lieu. Il refait le plateau, les loges, le bar, l'entrée du théâtre et surtout ce qui a coûté le plus cher, le système d'éclairage de régie son et lumière. Il souhaite mettre en place dans ce théâtre une programmation régulière, ce qui n'existe pas en Égypte. Hein. Il y a des programmations ponctuelles quand un spectacle est prêt, il joue. Mais là, il cherche à mettre en place une programmation régulière et continue au moins sur un semestre, qui serait annoncée par les réseaux sociaux, mais sur le modèle des théâtres qu'on peut avoir en France. Pour qu'aller au théâtre devienne une habitude chez le public égyptien. Voilà, pour qu'on sache qu'il y a quelque chose à voir à Rawabet, quelle que soit la semaine.
Le modèle économique du lieu tel qu'il l'envisage est le suivant. Donc, il programmera à la fois ses propres spectacles ou ceux des artistes qu'il produit pour des places relativement peu chères, hein, 50 livres égyptiennes. Et en parallèle, il louera l'espace à d'autres compagnies qui devront payer pour des répétitions et pour l'utilisation du lieu, mais pour un tarif relativement acceptable, à savoir 4000 livres égyptiennes par jour. Pour vous donner un exemple, une comparaison, le théâtre Falaki, qui est un autre lieu que l'on peut louer en tant qu'artiste en Égypte, c'est 16 000 livres la journée. Donc là, pour 4 000 livres, le matériel, la salle, tout est fourni. Or, le projet a tourné court, puisque la pandémie a empêché le théâtre d'ouvrir après les travaux. Attar s'est donc retrouvé à financer des travaux extrêmement importants sur les fonds de Orion Production et du studio Emad Eddin, mais sans aucun retour sur investissement. Par ailleurs, lorsqu'il a voulu recommencer à programmer à partir de septembre dernier, il n'avait pas de spectacle prêt, puisque les compagnies n'avaient pas créé. Donc, il ne pouvait pas mettre en place cette programmation qu'il aurait souhaité. La stratégie qu'a trouvée Attar, ça a été coûte que coûte de tenir cette programmation régulière. Et donc, il a reprogrammé tous ses anciens spectacles, depuis ceux qu'il avait montés, lui, depuis des années. Et notamment en privilégiant ceux dans lesquels il y a un peu des vedettes, des stars en Égypte, comme Mohamed Hatem, qui est assez connu parce qu'il joue dans des séries de Ramadan, mais il joue aussi au théâtre. Ici, vous voyez une mise en scène de Nihayat El Houb de Pascal Rambert, et aussi Sayed Regab, qu'on voit sur l'affiche, qui est un grand acteur égyptien aussi, mais qui joue aussi au théâtre, donc pour attirer aussi un public plus populaire qui viendrait pour voir des stars. Alors, du côté de El Warsha, les choses ont été encore plus difficiles. La compagnie est largement financée, j'entends par là du point de vue des fonds pérennes, qui sont ponctuellement complétés par des appels à projets ou des subventions annuelles. Mais les fondations pérennes d'El Warsha, elles viennent principalement d'Europe. Et notamment une subvention régulière depuis plusieurs années de la part de la Suède pour la compagnie El Warsha. De plus, la compagnie dépend largement des tournées qu'elle peut faire en Europe et notamment en France. Et ce qui contribue notamment à rétribuer les acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses, puisque un cachet français est en livres égyptiennes, ça permet de vivre un certain temps. Or, la crise sanitaire a transformé les priorités des institutions européennes, puisque les fonds ont été réorientés. Et par ailleurs, les théâtres français et européens, de manière générale, on le sait, ont dû eux-mêmes déprogrammer et donc reprogrammer les artistes français, locaux et régionaux. Et donc, il n'y avait plus du tout de possibilité d'accueillir des artistes étrangers. Donc ça a complètement bouché les perspectives de tournée à venir pour El Warsha. Lorsque on a vu Hassan El Gheretli au studio El Warsha en mai dernier, le studio était complètement vide, les répétitions avaient été annulées, il n'y avait plus aucune perspective de tournée. Quelles ont été les initiatives prises par Gheretli? Donc à partir de février 2021, il s'est lancé dans une grande campagne de communication pour alerter sur la possible disparition de la compagnie historique qui est El Warsha. Donc un article est paru dans le quotidien El Ahram en arabe, en anglais et en français. Hassan l'a transmis à toutes ses connaissances en France par mail. Il a aussi, et ça c'est, voilà, donc c'est lui, il a demandé à intervenir sur France 24, donc il y a un assez long créneau qui lui a été réservé, où pendant 20 minutes il a exposé le risque de disparition de cette compagnie qu'est El Warsha. Bon, les résultats n'ont pas été aussi importants que ce qui était attendu, parce qu'il n'y a eu aucune piste de financement pérenne, mais il a néanmoins obtenu de la part de AFAC une bourse de 20 000 dollars, donc c'est quand même pas mal. Et puis, une brève tournée a eu lieu cet automne en France, dans des scènes nationales de l'ouest de la France. L'autre solution a été de se tourner vers le modèle du privé, ce que Hassan El Gheretli déplore, puisqu'il a toujours milité pour un théâtre qu'il appelle de service public. Mais tirant profit du prestige de la compagnie El Warsha, il a commencé à organiser des ateliers privés de chant, de danse, de conte, qu'il faisait payer pour remplir les caisses de la compagnie. Et enfin, la compagnie s'est tournée vers des financements privés. Elle a notamment joué plusieurs fois depuis le printemps dernier pour une entreprise d'industrie agroalimentaire, soi-disant bio, qui s'appelle Isis, qui est une entreprise très étrange en Égypte. Notamment, elle a joué au cours d'une grande fête donnée en l'honneur du patron de Isis, qui fait chaque année la fête du nous, c'est la fête des employés, et la fête du moi, qui est sa fête à lui. Bon voilà, donc un concept assez particulier, mais ils ont plein d'argent, donc ils ont financé ça. Donc, j'ai
Voilà, donc j'ai pas tellement le temps de continuer, mais ce que l'on voit ici, c'est qu'évidemment, la crise a eu des impacts hein, sur le théâtre indépendant. Mais au-delà de ces problèmes conjoncturels, c'est plutôt des problèmes structurels que cette crise sanitaire semble avoir révélés ou exacerbés. D'abord, celui de la précarité de la création indépendante et sa dépendance à l'égard des financements étrangers et européens en particulier, ce qui fait que les artistes se retrouvent dépendants de l'agenda politique, social, économique de leurs bailleurs. On avait déjà vu ça, notamment lorsqu'il y a eu la loi de 2017 qui avait coupé les financements, augmenté le contrôle sur les financements étrangers et les ONG en Égypte. On avait vu que ça avait complètement impacté les financements théâtraux puisque de nombreuses compagnies sont financées par des ONG. Ensuite, la pression politique, financière et de surveillance exercée par l'État égyptien sur les compagnies, y compris indépendantes, puisque c'est l'épisode dont je vous parlais, hein, de la crainte de la fermeture des théâtres à 21h et des sanctions financières qui peuvent s'en suivre, qui témoignent bien d'une atmosphère de crainte. On se souvient qu'en 2015-2016, je me souviens, je vous le dis du moins, l'hiver 2015-2016, plusieurs comme ça, donc le théâtre Awabet à l'époque, une galerie et puis une maison d'édition indépendante, avaient été fermées sous des prétextes assez fallacieux comme ça, de licence Word non renouvelée, et pouvaient réouvrir avec des montants tellement élevés qu'en fait elles ont été obligées de fermer. Voilà, et tout cela mène à une réduction du nombre de productions théâtrales indépendantes et à l'ambiguïté même de ce que signifie indépendant aujourd'hui dans le théâtre égyptien. Certains artistes se résignent à se rapprocher des structures étatiques pour des raisons de moyens, quitte à sacrifier une partie de leur liberté artistique. D'autres continuent de chercher des financements hors des frontières de l'Égypte, mais cela constitue une autre manière de se soumettre à une hiérarchie, d'autant plus lorsqu'elle est doublée par un rapport postcolonial. D'autres encore renoncent totalement à créer. C'est ainsi qu'Al-Attar ne parvient pas à ce jour, ce que je vous disais, à mettre en place une programmation pérenne, puisque il y a de moins en moins d'artistes égyptiens se revendiquant comme indépendants qui se lancent dans la création. Voilà, je vous remercie. Et de la dépendance. Donc j'ai l'impression que ça a l'air d'être très très abondant, c'était très très abondant au Moyen-Orient. À ma connaissance, au Maghreb ou au Maroc, on n'en est absolument pas là. Enfin, ça, je pense que c'est un débat qui serait intéressant. Il y aurait une préférence des financements pour les pays moyen-orientaux que les pays du Maghreb ou, je sais pas. Enfin, j'aimerais bien lancer ce débat si vous connaissez quelque chose. Oui, au Liban, on peut dire, moi, à mon avis, maintenant, on ne peut jamais séparer le financement de la crise politique et économique actuelle du Liban. Alors, maintenant, il n'y a pas, presque on peut dire, qu'il n'y a aucun financement pour les événements culturels, ni théâtre, ni n'importe quoi. Alors, les artistes et les comédiens, les dramaturges sont forcés de dépendre à ces genres de financement qui existent bien sûr à cause de l'existence de l'Institut français, par exemple, au Liban, qui a une présence vraiment très forte et même parfois le financement d'autres pays européens et évidemment des États-Unis parce que si on va faire du théâtre ou des événements du n'importe quel spectacle musical théâtral au Liban, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Alors on cherche ces genres de financement et il existe toujours, mais comme j'ai expliqué dans ma présentation, ça parfois oblige les artistes de vraiment faire leur présentation, leur spectacle, leur événement dans un cadre très particulier qui peut être conforme à ce que n'importe quelle organisation attend d'eux, par exemple de, je sais pas, livrer un message politique ou bien parler sur les liaisons francophones ou bien quelque chose comme ça. Mais oui, c'est surtout les financements extérieurs pour vraiment bouger le spectacle et le théâtre au Liban. Je pense que ça dépend aussi pas mal des endroits, parce qu'au Liban, on voit bien que c'est lié à la crise politique, donc l'État n'a pas d'argent. En Égypte, il y a de l'argent pour le théâtre. Hein. Omar, tu peux en témoigner, il y a des événements qui sont organisés, même en grande pompe. Mais c'est juste qu'il y a tout un groupe d'artistes qui refusent de s'affilier et de dépendre de l'argent de l'État. Donc je pense que c'est des cas qui sont différents. Il y a de l'argent en Égypte pour la culture. Mais il faut quand même reconnaître que dans ce qu'on appelle depuis une dizaine d'années le MENA,
il y a quand même une région qui est plus bankable qu'une autre. Pour les financements étrangers. Pour le financement. Ouais. Le Maroc, et d'ailleurs tant mieux pour la pérennité, moi je pense tant mieux pour le Maroc, même si c'est un peu dur. Le Maroc, c'est un pays qui a la malchance d'être ni une région de conflit, ni une vraie démocratie. Du coup, mais d'ailleurs, tant mieux parce que moi je me pose des questions sur l'avenir et la pérennité des structures culturelles de quelques pays que je connais un peu plus, le Liban inclus, et l'Égypte, parce que bon, l'Égypte c'est un cas très, très spécial parce qu'il y a quand même un système, même plus bancal, mais quand même il y a les fondements de quelque chose qui a été fait, comme un peu l'exemple de Maghreb, de la Tunisie. La Tunisie a quand même hérité de quelque chose de Bourguiba, malgré toutes les critiques qu'on peut émettre. Au Maroc, les artistes sont délaissés à eux-mêmes, ce qui fait qu'il y a une forte société civile qui s'est débrouillée à lobbyer et même à pousser des particuliers à investir dans la culture. Ça va très lentement, mais je pense, par rapport à la pérennité, je suis beaucoup plus optimiste à des pays qui souffrent financement au Maroc que d'autres, par exemple. D'accord. Merci. Dans le Moyen-Orient. Monsieur, Moi, c'est le terme indépendant qui me gêne quelque part dans les deux exemples que vous venez de citer, à savoir Hassan Griki et Attar, et surtout pour Hassan Griki, que je connais bien, qui m'est accompagné en quelque sorte connu à ses débuts. Hassan Griki est vraiment inféodé à l'Institut français d'abord du Caire. Et c'est la raison pour laquelle on lui avait octroyé le Hanagir au début, c'est un joli théâtre. Mais il a prétendu, je dis bien prétendu, se défaire un peu des financements étatiques, mais qu'il a préféré le financement de l'Institut français du Caire. Et c'est la raison pour laquelle les autorités de l'Égypte ont refusé de l'aider par la suite, parce que, justement, un POD, c'est ce qu'il disait, bien entendu. Et Hassan Griki le défendait bec et ongle, justement. Il disait qu'il était libre, mais libre par rapport à l'État, mais pas par rapport, évidemment, au financement qu'il recevait de l'autre côté. Alors, un théâtre indépendant, moi, ça me gêne. Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est vraiment un théâtre indépendant. Oui, ben c'est ce que j'ai dit à la fin sur la complexité de ce terme indépendant. Oui, si les artistes qui se définissent comme indépendants en Égypte ne se définissent comme indépendants que par rapport à l'État. Oui. Mais ils n'ont pas de recul critique par rapport à leur... Même si pour Gerrit Lee, il a commencé, lui, comme metteur en scène de première classe au théâtre Al-Talia, au Caire. Il a d'abord commencé dans l'institution. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Il est resté des années au placard. Il n'a pas voulu prendre sa carte au syndicat des acteurs non plus. Mais pendant des années, il a refusé de jouer le jeu. Mais l'institution n'a pas non plus aidé. Et c'est seulement après où il a... Après Hanagar, il y a eu plein de problèmes aussi. L'architecte qui devait faire la salle, c'était l'architecte des villas de Hosni Mubarak. Donc, c'était pas un architecte de théâtre. Il y avait des problèmes de dégradés, de gradins. Enfin, il y avait quand même des énormes problèmes. Mais bien sûr, Hassan, il est dépendant depuis toujours des financements européens, de la Suède, de la France. Et c'est un vrai problème. Et parce que ce que je disais, ça dépend... Du coup, les artistes dépendent de l'agenda politique européen, mais aussi de ce que les... programmateurs européens ont envie de montrer du théâtre et du théâtre arabe et des arabes en France. Donc c'est lié après à toute une série de problèmes. Et effectivement, le terme indépendant a eu de la valeur à un moment, mais devient compliqué. Quand même, à un certain moment, en Jordanie, avec Fawanis. Tout un collectif de Palestiniens. Mais ça n'a pas marché, ça, malheureusement. C'est-à-dire pour être vraiment indépendant, justement, c'est le terme. Merci. Monsieur, vous aviez une question, puis monsieur ensuite.
Je vous remercie beaucoup pour vos interventions que je trouvais vraiment très très intéressantes. Moi j'ai une question quant aux scènes au Liban, parce qu'il y avait il y a quelques mois à Francfort, un grand festival du théâtre Liban, qui était vraiment très intéressant pour moi, parce que la plupart des gens étaient des expatriés ou des exilés. Et, or, ces gens-là, est-ce que vous pensez que ça fait partie de ceux dont vous parlez? Ou est-ce que ce sont des gens que nous ne vous comptez pas en tant que des artistes libanais? Parce que, par exemple, Arvian Bouy, Ilham Ashtalani ou Lawrence Abou Hamdan, alors des gens qui sont vraiment très très connus, je dirais dans tout le monde, sont quand même, pour moi, des Libanais, n'est-ce pas? Même s'ils n'habitent plus au Liban. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Il faut préciser que l'étude elle-même, l'étude du théâtre et la recherche est presque inexistante. Alors les comédiens ou bien les gens qui font le théâtre peuvent par exemple Liban avoir une licence du performance, mais après s'ils veulent suivre leur étude supérieure ou bien vraiment se profonder vers ce sujet, ils sont obligés d'aller en France. Presque la plupart d'eux, et pas seulement les comédiens, les musiciens et tous les artistes, s'ils veulent vraiment trouver un espace d'expression, normalement ils partent à la France ou bien autre part pour vraiment avoir l'éducation. Parce que au Liban, le dramaturge Roger Assaf a mentionné une fois que depuis la guerre civile au Liban, le théâtre est considéré inutile. Il n'y a pas vraiment il n'y a personne qui s'est intéressé au théâtre parce que les gens sont intéressés aux choses plus concrètes, à la vie. Par qui? Considéré comme inutile par qui? Par tout le monde, par le peuple en gros, le grand public. Sauf bien sûr, il y reste toujours un petit groupe de gens qui sont toujours qui essayent de faire vivre le théâtre, mais le grand public qui était parfois dans un moment où, si vous voulez, dans l'âge d'or, qu'on l'appelle l'âge d'or du Liban, dans les années 50-60, à l'époque, les gens étaient beaucoup plus intéressés au théâtre. Donc maintenant, les gens trouvent que le théâtre, même au niveau de l'enseignement scolaire, le théâtre est inexistant. Alors, c'est pour cela que moi je suis d'accord avec vous de dire que même les Libanais qui ont fait leur formation en France ou autre part et reviennent au Liban et essaient d'utiliser ce qu'ils ont appris pour traiter des sujets plutôt libanais sont bien sûr considérés toujours des artistes et des comédiens, des dramaturges libanais. Mais je dirais que votre notion de théâtre est un petit peu trop étroite parce que pour moi, disons, ce que Rabbi Amroui et Walid Raad ont fait, c'est bien sûr c'est du théâtre, bon, c'est dans le sens de performance et de l'art, mais pour moi ce sont des artistes peut-être le plus grand du moment dans les arts performants. Donc je dirais c'est quand même ne pas juste de ne pas leur compter. En même temps, Rabbi Amroui m'a raconté qu'ils n'ont jamais pris de l'argent au Liban pour éviter la censure. Et donc, on ne peut pas faire de l'art s'il y a de la censure, donc ils ne sont pas pris de l'argent. Alors, pour l'État, bien sûr, c'est peut-être sans importance. Ouais. Peut-être qu'il ne le connaît même pas, mais je ne dirais pas pour le monde des arts. Merci pour cette remarque très intéressante. Je suis désolée de ne pas vous donner davantage de parole. On va juste prendre deux. Il y a Safe et Astrid qui est... Bon, Astrid, très rapidement, et Safe. Non, mais tous les deux, rapidement. Moi, je m'appelle Astrid Serra-Kaizen, je travaille sur le théâtre palestinien post-secours, donc dans tous les liens avec l'Europe, dont les liens contraints, les liens forcés. Et j'aimerais juste continuer un petit peu la réflexion à partir de la question de votre question, Dominique, sur un écart entre les financements Maghreb, Machrek, ou en ce Liban, Égypte, et pour d'une certaine manière plus soyez la réflexion de Jawad, parce qu'en fait la situation actuelle le vérifie, c'est-à-dire que la Palestine par exemple elle reçoit la création d'Israël en Palestine elle est financée par l'Union Européenne à 98% des cas, en termes
là, enfin, la crise sanitaire a montré que quand du coup il n'y a plus ces financements par projet spécifique, en fait, il n'y a plus rien. Des équipes, et Armel Thomasy, on va en parler quand vous pourrez faire la table ronde tout à l'heure, il n'y a plus rien. Des équipes sont plus payées, on les licencie, une équipe de 12, pas de 4, etc. Peut-être que justement, parce qu'on est perfusé de financements internationaux pour les créations, quand en fait il n'y a plus de financement, il n'y a plus d'activité, alors qu'au Maroc, il n'y a pas très peu d'aide extérieure de l'Europe, on va. Et on trouve peut-être plus de ressources, je veux dire, internes. Mais si je peux juste une bémol par rapport à cette démarche de financement qui coïncide de. Si vous me permettez. Oui, oui, allez-y. Parce que moi, j'ai fermé une boutique parce que j'avais un financement vraiment structurel qui donnait lieu à une structure qui a été mariée à une convention qu'on a eue avec le ministère de la Culture au Maroc de 3 ans. Pour le ministère de la Culture, sans communication, sans préavis, nous ferme. C'est-à-dire, le lendemain, on allait répéter à la salle Barthélemy pour les gens qui connaissent ici. Et moi, j'ai trouvé 1 300 000, c'est-à-dire 1 300 000 dirhams marocaines, pourvu que le ministère de la Culture s'engageait à juste 400 000 dirhams. C'est-à-dire rien du tout par rapport à ce financement. Et au moment où ce ministère a décidé de faire des rénovations, c'est-à-dire les plus 80% de financement sont partis, parce que le ministère de la Culture n'a pas respecté son engagement, qui était l'autre partenaire, et du coup, fermeture de boutique, du coup, dépression totale, toute une équipe de 32 personnes, du coup, la fin de l'expérience. C'est pour ça qu'il faut se méfier de. Parfois, les contrats d'avoir des financements, il faut toujours se méfier de ce côté-là. Safe Moi, je vois qu'on parle de troupes indépendants et de troupes subventionnées par l'État. On parle de financement de l'extérieur et à l'intérieur. Et surtout quand on parle, par exemple, parce que l'intervention de Pauline, il parle de 2 compagnies de théâtre indépendants, mais il ne nous a pas parlé des reproches artistiques et pourquoi ils sont différents par rapport aux compagnies subventionnées par l'État. Parce que, c'est-à-dire, ils sont indépendants parce qu'ils sont artistiquement différents dans leurs propos. Oui, parce j'ai pas pu refaire toute la genèse. Parce que. On a envie d'avoir une petite idée sur leur travail. Parce que moi, je ne connais pas les noms. Je n'ai jamais vu de spectacle. Et quand on parle d'un troupe indépendant, il est presque opposant par rapport à l'État. C'est ce que j'ai compris de votre phrase. Mais qu'est-ce qu'il présente? Comment il travaille? Alors ça va être un peu long de... Non mais peut-être important. Est-ce qu'il y a, juste simplement est-ce qu'il y a réellement une subversivité thématique ou esthétique par rapport à ce qui est financé. Le mouvement indépendant c'est créé en marge de l'État parce qu'il voulait pas dépendre de l'État, mais il voulait pas dépendre de l'État pour plusieurs raisons. Déjà un parce qu'il y avait le problème de la censure donc qui empêchait et de l'autocensure donc qui empêchait toute avant-garde, toute innovation artistique. J'ai rappelé que c'est aussi des gens qui ont beaucoup étudié en Europe, alors c'est pas pour ça, mais ils sont arrivés en Égypte. Années 80, c'est complètement sclérosé le théâtre public, parce que ça a été, il y a ces belles bases qui datent de Nasser, mais dans les années 80, ça ressemble plus à rien, parce que c'est des décors en carton-pâte, et puis c'est vraiment très vite de l'intérieur. Il y a le théâtre privé qui a eu des très beaux succès, même parfois très politique, on peut dire, hein, Madrasat al-Musharrabin. C'est le théâtre commercial. Commercial. Oui. Mais bon, déjà, ça, il faut vraiment beaucoup d'argent. C'est du théâtre avec des vedettes. Et puis, ça ne leur plaisait pas non plus. Surtout qu'à partir des années 80, c'est aussi beaucoup lié à la personnalité de Moubarak et de son ministre de la Culture de l'époque, Farouk Hosni. Les deux milieux sont cul et chemise, j'ai envie de dire. C'est pas très universitaire, mais sont très proches, en fait. Fonctionnent main dans la main, théâtre privé et théâtre public. Donc, en fait, ça ne convient pas d'un point de vue de fonctionnement économique ni politique. Mais pas non plus esthétique, parce que c'est des gens qui n'ont pas envie de faire du théâtre en carton-pâte ou du théâtre de boulevard, en fait. Après, chacun a pris sa direction. Hassan, il s'est vraiment spécialisé sur les arts vernaculaires. Il a vraiment été recherché le conte, la geste hilalienne, Bani Hilal et tout ça. Donc vraiment, il a été cherché dans un patrimoine égyptien. Attar n'a pas du tout fait la même chose. Il fait complètement, ça n'a rien à voir. Adel Abdelwahab, qui est à Alexandrie, fait davantage du théâtre documentaire, comme Leila Suleiman au Caire. Donc après, chacun a pris un peu sa direction. Kazeboun fait
ce qu'on pourrait dire de l'agit-prop, donc très politique, très anti-gouvernement, ils ont tous des degrés d'engagement politique un peu différents et ils ont tous des esthétiques aussi différentes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne font pas du boulevard, ils ne font pas du privé, ils font très peu de comiques. Voilà, donc... Je ne sais pas si vous connaissez les compagnies d'Abir Ali Hazim. Oui, si, si. Ben, c'est-à-dire, il a... C'était Al-Qafi, là, je ne sais plus. C'était Al-Qafi, là, sa compagnie. Oui, c'est... Oui. Mais il a une couleur sur son compagnie, c'est-à-dire qu'il travaille sur les termes de femmes. Voilà, mais ça, voilà, chaque compagnie a un peu sa... Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé qu'est-ce qu'il fait oui. exactement. Parce ça dépend que lesquelles. Le conte, les chants, toutes les compagnies de théâtre en Égypte travaillent sur ça. Les chants, les... Papa Attar, Ahmed Attar, il ne travaille pas du tout sur le conte. Ouais, non, il ne travaille pas du tout là-dessus. Moi, je pense que le Attendez, pardon, excusez-moi, mais monsieur avait une question, comme vous avez déjà. Allez-y, comme vous le voulez. Par exemple, parce que, en fait, justement, je connais personnellement Hassan, et par exemple, j'ai lu ici, qui m'a confirmé un appui dans les temps, c'est-à-dire récemment. Bon, après, en fait, il y a des degrés, je crois, d'être indépendant. C'est des degrés, comme Leïla. Leïla a plus de chance, elle a plus de financement. Comme aussi. Abir Al-Hazim. Abir Al-Hazim, s'occupe d'État. Noura Amin, il y a pas fait le parti. M'a dit qu'il n'y a plus de théâtre privé, il n'y a plus de théâtre en Égypte, plus de théâtre étatique de l'État. Oui, oui, oui ça s'est vraiment fusionné. Bon, il y a beaucoup d'exemples là-dedans. Mais lui, je trouve que quand même, c'est un bon exemple parce qu'en fait, il tient encore, il fait tout malgré tout. Malgré tout, et dans n'importe quel article, il souligne le manque de financement. Mais c'était la question, en fait, moi je rejoins aussi l'idée de Hussein, c'est quoi la différence entre ce qui est artistique dans le workshop et dans la tradition, dans l'ancienne tradition de Shihad, dans le chant, parce que lui, il réunit des acteurs sur scène et il mêle en fait la forme folklorique avec ce qui est théâtral. Et même Abdoué, il fait la même chose. Est-ce que, c'est ça la question, est-ce que le Covid vient de. Que la mise en scène de l'après-Covid, de la situation sanitaire, il y a des traces plutôt. Est-ce qu'on joue autrement? C'est ça la question. Il y a un jeu post. Non, post-Covid, c'est trop tôt, parce qu'en plus, ça a vraiment arrêté la création. Comme je disais, ils ont plutôt tendance à reprendre des choses qu'ils avaient fait avant. Là, les changements, on va plutôt les voir du côté de l'organisation, de l'administration, des financements, du côté esthétique. Moi, là, ou alors, je suis passée à côté, mais j'ai pas vu de changement. Mais alors justement, ça nous fait une excellente transition pour dire qu'il y a certains thèmes qu'on verra dans un petit peu plus longtemps.